Le raisin est super beau, de bonne qualité, une bonne maturité, prêt à être vendangé par la machine à vendanger ici présente. Le mois d'août a été assez froid, très, très pluvieux, qui a engendré un stress de la vigne, il manquait de chaleur. Et donc, ça a été sauvé grâce au mois de septembre. Mais comme on dit, au mois de septembre, grâce à la Saint-Michel, on a toujours du beau temps. Le muscadet aujourd'hui a une notoriété au niveau du vignoble sur l'ouest, se vend très bien. Après, au niveau national et international, on manque un petit peu de publicité, mais bon, tout est à travailler, tout est à faire dans le temps. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'on a une population de viticulteurs qui est vieillissante. Et pour tout dire, je pense que sur la commune du Landreau, si on n'a pas des jeunes qui arrivent pour faire des installations, on arrivera même bien à être 10 viticulteurs dans une dizaine d'années sur les communes du Landreau par rapport à aujourd'hui qu'on est aux alentours de 20-30 exploitations viticoles. Un très bon nez, qui est très agréable, c'est un superbe goût fruité, très riche, un très bon potentiel.